Donc je vais utiliser une encre médiévale, une recette que je fabrique à base de tanin et de sulfate de fer, qui a la particularité d'être une encre un peu marron qui va se foncer dans le temps au bout de quelques jours et qui est une oxydation qui va durer dans le temps un peu plus longtemps que l'encre classique.